J'ai 45 ans sur ma carte d'identité, mais en réalité mon cœur a 26 ans, mon système nerveux a 30 ans et j'ai la VO2 max d'un athlète d'élite de 18 ans. Ce que je fais peut paraître extrême, mais j'essaie de prouver que l'automutilation et la déchéance ne sont pas inévitables.